sophrologie. Alors, la sophrologie est une discipline qui nous aide à développer une conscience sereine, mais au moyen d'un entraînement personnel qui est basé sur des techniques de relaxation, mais également d'activation du corps et de l'esprit. Alors, une séance de sophrologie commence par la prise de conscience de son corps, mais également de sa respiration, et une activation des aptitudes positives vis-à-vis de l'environnement, mais également vis-à-vis de soi-même. Alors, la prise de conscience de la respiration permet de mieux oxygéner notre corps, surtout lorsque nous avons mal, nous sommes tendus. Et ça permet également de mieux gérer son stress et donc d'atténuer nos douleurs. Alors, dans la prise en charge de la douleur, ce qu'elle apporte, c'est, par exemple, quand vous avez mal, la sophrologie vous aide à gérer la douleur. Comment ? Mais en prenant conscience par la prise de conscience de votre corps. Lorsque vous avez quelquefois aussi des traitements par rapport à votre douleur, vous avez des traitements qui sont parfois lourds. La sophrologie vous aide à accepter ces traitements en favorisant quoi ? L'accompagnement positif de ceux-ci. Et lorsque vous avez mal, souvent, vous devez aller faire des examens, vous devez passer une intervention. Eh bien, la sophrologie vous aide à préparer ce moment en toute sérénité. Et même lorsque vous êtes en phase de récupération ou post-récupération, eh bien, elle vous donne confiance. Eh bien, en activant quoi ? Vos propres capacités. Alors, il est à noter que l'utilisation de la sophrologie est également indiquée pour le personnel soignant et même pour le corps médical en général, car elle aide à gérer la pression d'un environnement stressant et parfois intense. En conclusion, comme la douleur et le stress font partie de la vie, la sophrologie nous aide à mieux nous connaître et mieux vivre ce que la vie nous offre. Thank you.